Salut tout le monde, c'est Bonhack48 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Harry Potter à la Chambre des Secrets. Et je ne me souviens plus du tout où est-ce que j'en étais, bref. Donc excusez-moi du manque de vidéos ces derniers temps, j'ai juste été très malade donc je ne pouvais pas tourner. Donc maintenant ça va mieux donc je me sens dans l'obligation de beaucoup tourner. Donc c'est parti, viens ici saloperie. Oulala. Ah. Mais pourquoi Harry? Harry, c'est pas le moment de faire des conneries. Hop là. T'es sérieux? Oh, mais c'est quoi ces trucs, sérieux? Mais c'est pas des plateformes à ça. Mais c'est des cons. Allez, c'est parti. Hop là. Ouh, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a ça à chaque fois? Oui, il y a ça à chaque fois. Qu'est-ce que c'est? Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi? Voilà, donc excusez-moi d'être mort comme un couillon. Pas vous! Arrêtez de me hanter. Ici. Ok, donc. Putain. Alors, George Grogan Stump. Bizarre. 1770-1884. Ministre de la magie très populaire. Nommé en 1811. Putain, il est jeune. Ah non, pas du tout. J'ai cru qu'il était jeune. Ah oui, au fait, je suis vraiment un idiot. Mais j'avais oublié que ce groupe de Bizarre Sisters vient de Harry Potter et la Coupe de Feu. En fait, c'est la première fois où on les voit, ils font un concert durant le bal de Noël pour le tournoi des trois sorciers. Je vais totalement zapper ça, je suis désolé. Donc, et oui, c'est bien des filles, c'est pas des garçons, c'est des filles. Et c'est très choquant. Donc, excusez-moi d'avoir oublié ça. Dégage! Non, pas vous. Voilà, dans ton cul. Voilà, j'espère que tu as souffert. Allez, William. À moi. Hop là. Non. Hop là. Je dois faire quoi déjà? Ah oui, je voulais chercher des ingrédients pour le polynectar de Hermione. Ça m'était tellement sorti de la tête. Où est là? Toi, tu sautes, tu meurs. Voilà, merci. Je préfère ça. Comment je fais pour rentrer? Ah, d'accord. Oh, intéressant. Oh, je suis con, il y avait un truc là. Hop. Qu'est-ce qu'il fait lui? Dégage. Dégage. Voilà, merci. Va crever. Oh putain, il y en avait deux. Dégage. Hop. Putain. Oulala, dégage. Merci. Attends. Top. Voilà. Hop. Ah, j'y suis ou pas? J'aimerais bien. Est-ce que c'est des potions que je peux ramasser ça? Non. Ce n'est pas le cas. Hop là. Ah putain. Allez-y, tombez dans votre désespoir. Putain, salaud, en plus il y avait encore des dragibus là. Pourquoi j'avais ça avec des dragibus, je ne sais pas. Bon. Oh, chier. Rock, je vais te tuer. Ah! Est-ce que c'est ça que je devais trouver? Ah moi. Si oui, je serais vraiment très content. Putain, c'était ça. Alléluia. Oui, j'ai réussi. Je suis sorti de cet enfer. Rock n'est pas là. Putain, il est là. Rock est là.
Je suis dans la salle des potions. Je ferais mieux de faire attention à Rogue. Au revoir. Hé, Harry, tu veux échanger quelque chose? Vous puez vos gueules. Bon, je me casse. Je me casse. Salut, Harry. Bonjour. Salut. J'ai récupéré de la corne de bicorne pour la potion. Et j'ai failli mourir 3 fois. Super. Je ne sais toujours pas où trouver l'autre ingrédient, mais ça ne devrait pas tarder. T'es conne. En attendant, je vais aller ajouter ça à la potion. Yeah. Ils ouvrent un club de duel et ça commence aujourd'hui. Qui es-tu? Pourquoi tu me parles? Intéressant. Rends-toi à la grande salle si tu veux apprendre à te battre en duel. Pourquoi tu me parles? Tu pues! Ici! Ah, je vais te tuer! Tu vas voir, j'ai pas besoin de club duel pour te tuer. Oh, merci, tu es gentil. Je sais pas si j'avais vu ça tout à l'heure, mais je pense que oui, parce qu'il n'y a pas eu de junk. Reviens ici, je vais te tuer. Il y avait tout, ouais. Y'a rien ici, sérieux? Y'a rien? Rien? Rien. Ah non, je sais, là, ça doit mener là, en fait, je pense. Viens ici, je vais te tuer, regarde-moi, je flotte, je suis sur des rollers. Viens ici! Ouh! À moi! Ouh là là! Sympa! Hop là. À moi. Hop là, voilà. Oh, je vais pouvoir acheter mon Imbus 2001, je crois. Avec Fred et Georges. L'un ou l'autre, je sais pas. Ouh, ça sent le passage secret. Ah, vous puez, y'a rien. Je sais pas à quoi ça sert cette salle, mais bon. Reviens ici, s'il te plaît. Venez. Je me suis entraîné au... Tais-toi. Tout le monde m'entend? Bonjour. Tout le monde m'entend? Non, pas moi. J'ai créé le club de duel pour vous permettre de vous entraîner à vous défendre. Le club se réunit tous les jours dans l'antichambre, juste à côté de la grande salle. L'objectif de cet exercice de duel c'est pas la grande salle. Consiste à désarmer votre adversaire. T'as la gueule qui fait. Tu peux lancer 3 sortilèges pendant un duel. Vous pouvez. Le Rictus Empra qui fait tomber tes adversaires en arrière et diminue leur résistance. Le Mutismus qui empêche ton adversaire de lancer son sortilège avec précision. Oh. L'Expelliarmus qui réfléchit les sortilèges que ton adversaire te lance. Hein? Pour sélectionner un sortilège, parcours la liste à l'aide du bouton droit de la souris. Pour lancer comme c'est un pas sortilège du tout sélectionné logique. Sur ton adversaire, appuie sur le bouton gauche de la souris. Tu peux augmenter la puissance d'un Rictus Empra et d'un Mutismus en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. N'oublie pas qu'il est interdit de boire des potions et de sauter pendant les duels. Pourquoi ? Pour participer à un duel, tu dois mettre en jeu une somme en dragée surprise de Bertie Crochu. Le vainqueur remporte les dragées de son adversaire. Oh, c'est mindfuck. Un duel marche jusqu'à lui. Si tu possèdes suffisamment de dragées, tu seras alors invité à te battre en duel. Mon assistant, le professeur Rogue... Je suis votre collègue, pas votre assistant. M'a annoncé qu'il s'y connaissait un peu en duel. Et s'est gentiment proposé de les superviser. Et maintenant, démonstration. Monsieur Potter? Pourquoi moi? Contre Monsieur Wesley, par exemple. Très mauvaise idée. C'est le moment de séparer la fine équipe. Monsieur Malfoy, venez ici, s'il vous plaît. On va voir ce que vous allez faire du célèbre Potter. Potter. Je vais me faire un plaisir de te donner une bonne correction, Potter. Nan, toi ta voix de saumon là, dégage. Levez vos baguettes, à 3. Tu as peur, Potter? Dans tes rêves. 1, 2, 3. Brioche! Aujourd'hui, Potter, vous avez l'honneur de vous battre en duel contre les célèbres serpents. Vas-y. Hein, chose. Oh! Expelliarmus! Bim! Bonk! Chomp! Harry Potter! Ah! Pardon. Déception. Ah, j'ai gagné? Pourquoi il a dit quelle déception alors? Ah, il va taper Malfoy. Cool. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Hein? T'as un problème? Qu'est-ce qu'il fait? Il est possédé. Serpent sorcier! What the fuck? Laisse-moi tranquille.
Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Harry vient de parler en fourche langue, n'est-ce pas? Non, j'ai parlé. Non, ça ne peut pas être. Oh non, ça ne peut pas être. Non, ce n'est pas possible, pas lui. Qu'est-ce que vous dire? Le serpent danse à mes pieds. Excusez-moi, j'ai fait quelque chose. Je suis possédé. Tu es un fourche langue, Harry. Tu peux parler au serpent. Et alors, où est le problème? Harry, la célébrité de Salazar Serpentard vient du pouvoir qu'il avait de parler au serpent. C'est marrant, t'as un truc noir sur le nez. Et si? Et maintenant, tout le monde va croire que tu es son arrière-arrière-arrière-petit-fils. C'est pas le cas. Mais c'est faux. Peu importe. À tout à l'heure, Harry. Mais je me trompe. Salut, Harry. Pourquoi vous me laissez tout seul tout le temps? Mais vous êtes... Harry resta éveillé de longues heures cette nuit. Ouh. Et une question revenait sans arrêt à son esprit. Pouvait-il être un descendant de Salazar Serpentard? Ça va réfléchir. Non. Non, merci. Non, non et non. Je n'assisterai pas au cours de botanique. Je vais préparer le polynectar dans les toilettes de Mimi Génia. Bonjour, j'arrive pas à croire qu'Hermione. Est-ce que c'était... Allez, viens, on ferait mieux d'aller dehors au cours de botanique, Harry. Est-ce que c'était ce que je pense qu'il était? Est-ce que c'est Cho Chang? Je crois que c'est elle. Je suis pas sûr. Cho Chang. Non, pas elle. Excuse-moi d'être extrêmement raciste, mais elle ressemble un peu à une chinoise. Je n'ai pas le temps de te parler. Pardon. Mais c'est juste tellement marrant. Bon, bref. C'est parti. On se casse. On est ici. Ici, Ron. Ah, il m'a fermé la porte au nez, là. Eh hey, bonjour, c'est moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue avec son main chien. Je n'ai rien à échanger. Eh ben putain, vous êtes chien. Viens ici, viens. Viens si j'avais été violé. Non, en fait, j'ai... Hey Harry, tu as besoin de quelque chose. Tais-toi. Qu'est-ce que tu as en stock? Je veux un Nimbus 2001. J'ai un Nimbus 2001. Le meilleur modèle disponible pour le grand public. Oui. Oh vas-y, jette-le-moi la gueule, putain. Désolé. Et je n'ai plus rien en stock pour le moment. Reviens me voir plus tard. Tais-toi avant que quelqu'un me le vole. Il est parti où, Lila? Yay! C'est tout. Hé hey Harry, tu veux échanger quelque chose? On a les meilleurs prix de tout Poudlard. J'ai plus d'argent, excuse-moi, ton frère m'a volé. À moi. Toi, tu pues, je suis sûr que t'as rien. Hé hey Harry, tu veux échanger quelque chose? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as une carte? J'ai du mucus de verre. Mais vous avez que ça, vous n'avez que ça et ça ne sert à rien. Tu loupes une sacrée affaire. Enfin, c'est comme tu veux. Oui, c'est comme je veux. Dégage. Putain. Quoi? 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 D'accord, t'es un petit peu plus grand que moi, mais c'est pas grave. Attends-moi, d'accord? Allez, viens ici. Bon. J'ai dit attends-moi, merci. Ouh, les serres, elles sont sympas. Bon, elles ont un petit peu changé depuis le dernier épisode, enfin, dernier jeu, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Elles se sont transformées, Poudlard fait ce qu'il veut. Hein. Oh, à moi. What the fuck? Le jeu a crashé. Le jeu a crashé, c'était juste magnifique. Le jeu a crashé. Bon, c'est le meilleur moment pour arrêter l'épisode là. Le jeu a crashé, quoi. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça, quoi. Le jeu a crashé. Il a crashé. Il a crashé. Bon, c'est pas grave. Bon, j'espère que vous avez tout de même apprécié cet épisode, que vous vous abonnerez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like, de la partager sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait beaucoup. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ah putain. Bon, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je dis salut à tous. Je vous vois dans la prochaine vidéo, si la portez ou bien. Ciao, ciao tout le monde. Comme ça.